Zombie apocalypse. Salam alaikum et bonjour à toutes et à tous, c'est Gaza Titanium. On se retrouve aujourd'hui sur du Battlefield 1, Battlefield 1, comme vous voulez, pour une ouverture de série de Battle Pack que j'ai économisé. J'en ai donc 20 non ouverts, donc 10 en révision 5, c'est ceux apparemment où on peut avoir les bonus d'XP, donc c'est ce qui m'intéresse. 6 en révision 4 et 4 en révision 3. Donc on va déjà commencer par les révisions 3, après on va faire les révisions 4, puis les révisions 5. Qu'est-ce que je veux dans ces Battle Packs? Tout simplement des variantes du Martinet Henry, variante de Hellriegel, l'arme niveau 10 en assaut et l'arme niveau 10 en éclaireur. Donc je veux aussi, j'aimerais avoir finir le puzzle de la massue, l'arme légendaire. Et aussi quelques bonus d'XP, ce serait pas mal. Oui bon, je suis un petit peu gourmand pour seulement 20 Battle Packs, on va voir un petit peu ce qu'il va y avoir dedans. Au passage, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, parce que j'ai pris pas mal d'abonnés entre hier et aujourd'hui, et vraiment j'en suis ravi, n'hésitez pas à venir souvent checker la chaîne pour voir un peu ce qui se passe. Donc allons-y pour le premier Battle Pack Révision 3. Donc normalement Révision 3, si je regarde, il n'y a pas grand chose dedans. Ah non, là j'ai pas les... D'accord. Mais je crois que Révision 3, j'ai pas trop de trucs... Bon, allez, on va l'ouvrir. On va voir ce qu'il y a dedans. Let's go. Premier Battle Pack. Parti. Alors, qu'est-ce que c'est? Celle-là, c'est la nettoyeur. M1903. Ah oui, je vois, c'est quelle arme. Je crois que c'est une arme de médecin. Et franchement, plutôt pas mal en distingué. Je garde. De toute façon, on va forcément avoir des trucs pourris que je vais pouvoir revendre pour acheter un Battle Pack supérieur, j'espère. Bah lui, je crois que je l'ai en deux fois, par exemple. On verra ce que j'ai en double. Après, on essaiera d'ouvrir un Battle Pack supérieur. Donc là, c'est plutôt pas mal. Hein. J'aime bien les armes couleur un petit peu or et tout. C'est plutôt pas mal. C'est l'automatico. Ah non, ça c'est une batteuse. J'utilise pas celle-là. Je sais pas trop ce qu'elle vaut. En tout cas, le camouflage est beau. Par contre, le P08, je crois, juste avant, je l'utilise beaucoup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, hop. Allons-y pour le dernier pack en révision 3. Ouh. Celui-là, par contre, il est joli. Ah bah déjà celui-là je le garde. Pourtant il est juste standard hein. Quand tu le revends il vaut juste 30. Donc vous voyez, parfois c'est pas juste la catégorie qui fait l'arme, enfin qui fait le camouflage. Donc c'est parti pour les révisions 4. Il y en a 6. Alors ça c'est encore une arme de médecin, me semble-t-il. Je n'utilise pas celle-là. En tout cas aussi beau camouflage, tout stylé à voir en vrai. Celle-là, je crois que je l'ai eu. Ouais, mais c'était pas le même camo, je crois. Ouais, il est bof celui-là. Hein. Il est pas. Ouh, ça c'est bon par contre. Ça c'est très très bon. J'aime ça. Plus que deux puzzles et j'ai la masse Ubertech. Allez, on y croit. Il y a moyen, je pense. Vraiment, il y a moyen. Là. Ah, l'automatico. Je crois que je l'ai, on verra bien, mais en tout cas l'automatico, je vous la conseille, c'est vraiment une arme redoutable à courte portée. Par contre, pour enchaîner les ennemis, va falloir être un petit filou parce que vous avez que 25 balles et il y a une cadence de taré. Pas besoin de viser avec cette arme, franchement, vous devez viser vraiment à longue distance, mais il faut tirer par à coup parce qu'elle a un recul de malade. Enfin bon, tous ceux qui connaissent cette arme savent qu'elle est vraiment redoutable à courte portée, c'est abusé. On dirait redoutable comme un fusil à pompe, limite. Donc allons-y pour le quatrième. Alors, oh, elle est jolie celle-là aussi. Ah, c'est celle qu'on a eue tout à l'heure, mais dans un autre camo. Je l'utilise pas, c'est dommage. Bon, je verrai bien si je vais faire un gameplay avec ça. Encore? Mais ils veulent pas donner de sniper, c'est abusé, on dirait. Les camouflages les plus rares sont les snipers dans ce jeu.
Ah, les fusils de précision, désolé. Ah, celui-là, il est magnifique, par contre. Ouh, il fait mal, celui-là. Allez, maintenant, on fait les 10 de révision 5. On a eu des trucs pas mal, hein, si je regarde. Surtout ça, là, c'est vraiment pas mal. Il m'en manque plus que 2. J'aimerais vraiment l'avoir pour maintenant, là. Comme ça, c'est fini. Alors, tac, pas de double, pas de double. Non, j'ai pas de double. J'ai pas de double. Oh. On dirait tant mieux. Allez, c'est parti. Ouh, c'est quoi ça? Putain, décidément, cette arme-là, la Selbstader 1906, désolé pour la prononciation, mais j'ai eu plein de camouflages. Ils sont plutôt jolis, les camouflages de cette arme. Honnêtement, ils sont stylés. Bah, je l'utilise pas celui-là. Je l'utilise pas, c'est dommage. Bon, il est pas non plus fou le camouflage là. Je pense que je vais en revendre certains pour m'acheter un Battle Pack supérieur. Que... Encore ? Ils se foutent de ma gueule. C'est le même. Bon, recycler. Ça, j'aurais pas à perdre de temps. Voilà, je suis à 780. Là, il m'en reste plus que 7, alors ça va être tendu pour avoir ma super tech. Que des armes secondaires, putain, mais je m'en fous. Clairement, ça m'intéresse pas plus que ça, les secondaires. Ah, oh, yes. Oh putain, je suis content là. Bon, elle est pas stylée de ouf. On va dire même qu'elle est plutôt basique. Mais au moins, j'ai une variante de cette arme. Je joue beaucoup à cette arme depuis que je l'ai débloquée. Faut savoir qu'elle a 60 balles. Et tu peux faire de gros massacres avec. Hein. Attention, les gars. Allez, c'est parti. Ouh, il est joli, celui-là. Peut-être que je vais m'y mettre. Peut-être que je vais m'y mettre. Juste pour avoir le camouflage, comme ça. On va voir le reste. Là, ça commence à être tendu. Celle-là, je l'ai eu 3 fois, putain. Je joue jamais avec. Non, là, c'est mort pour la Massue Bartek. Putain, je suis dégoûté. J'économise 20 Battle Pack et j'ai pas. Ah, celui-là, je l'ai eu 3 fois. C'est pas le même, hein. Je crois. Si, c'est le même. Putain, je sais pas. M'intéresse pas, ça. Putain, plus que 2 Battle Pack, les gars. Oh, non. Je pensais vraiment qu'avec 20 Battle Pack j'allais pouvoir les avoir, mais bon. Okay. What? Je ne connais pas cette arme. C'est, je crois, l'arme que tu débloques au niveau 10 en pilote de char, je crois, non? Un truc comme ça. Bon, en tout cas, elle a l'air badass. On la garde. Et lui, je crois que je l'ai déjà eu. Voilà. Ajouter. Et voilà. Donc, on va voir ce que j'ai en double. J'ai eu aucun bonus d'XP. Un truc de fou, quand même. Pas moi, ça me fait virer. Donc, celui-ci, il a l'air pas mal. Celle-ci a l'air pas mal. Ouh. Ouais, lui, il était stylé, par contre. Donc là, déjà, je vais enlever le double. Ce que j'ai en double, si j'en ai. Eh ben non, j'en ai pas. Alors... Celui-là, c'est le P08. Celui-là, bon. Celui-là, franchement, il me dit rien du tout. Donc, je vire. Je vire. Qu'est-ce que... Ça, c'est du légendaire, on garde. Celui-ci... Non, le P08. P08. Non, je le garde. Je joue souvent avec le C93. Oh, Colibri. Ah, il est joli celui-là. Ah, mais non, mais je l'avais déjà, je crois. Ferraille et tout. Non, je vais enlever soit lui ou soit lui. Ah, ce sera lui déjà. Allez, hop. Donc, après, en fusil mitrailleur, honnêtement, je suis pas fan de... cette arme là. On va en garder qu'une seule.
Et ce sera pas elle déjà. Et ce sera pas elle. Alors, je suis à combien là? À 900, c'est combien le Battle Pack supérieur? Ah bah 900, nickel. Allez, là on y croit, confirmé. Il n'y a pas moyen là. Ils se foutent de ma gueule. Par contre, il est joli. Ça, il n'y a pas à dire. Hein. C'est... Je sais pas si je l'avais déjà parce que... Ah non, c'est pas le même. Là, c'est vraiment or. Là, c'est ordre royal et là... Ah c'est vraiment or quoi. Oh putain il est stylé. Allez on garde, ça fait rien. J'ai pas eu trop ce que je voulais à part la Air Eagle là qui est vraiment pas mal. Bah écoutez on va économiser, on verra pour les prochaines fois. Donc ce que je vais faire c'est... je vais vous montrer tous les camouflages sur les armes. Et on se retrouve tout de suite. Bon en fait elle est... Elle est plutôt stylée, c'est un petit peu plus marron, ça fait plus boisé sur le côté. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Lui. Ouais, il est pas mal lui aussi, j'aime bien. Waouh, elle est super stylée par contre. Alors celle-là, au tir au jugé, elle a 80 les gars, je vous la conseille, elle fait super mal. Ah vraiment elle est jolie celle-là. Wow. Rien à dire. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Ah il est joli. Et ça c'est... Pas mal. Bon ça va, elle est basique mais j'aime bien le chargeur. Donc, voilà. Et voilà les gars, la vidéo arrive enfin à sa fin. Donc je voulais dire déjà encore merci à tous les nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment plaisir, vous avez beaucoup commenté, beaucoup liké sur ma dernière vidéo présentation de ma chaîne. Donc tout ce que je peux vous dire c'est rester à l'écoute. Il y aura bientôt un nouveau tutoriel pour les jeunes youtubeurs qui commencent. Comment faire une intro très facilement en 3D comme j'ai moi et comme j'ai fait pour 2-3 abonnés déjà. Donc restez à l'écoute, ça arrive bientôt. Et je vous dis, n'hésitez pas à m'ajouter sur le PSN, sur PS4 pour qu'on joue ensemble. Allez, ciao ciao les gars, bye bye.